aux imbéciles, des chavards dans une estrage, a parfaitement réussi. Elle avait pour objet de nous cacher la vérité. Amis et compagnons, si nous sommes ici, ensemble sur cette île, c'est que nous savons quelque chose de plus. Et pourtant, toi, tu tiens dans ta bouche cachée. Ne t'étonne pas que je ne sache, car je te connais. Elle est de ses fruits secrets de mort, à toi, apportée sur ses mines. Cela malgré mes douces exhortations, n'est-ce pas? Parce que tu refuses de croire ce que je dis, ou pire encore. Tu crois que ce que je dis est vrai, mais tu aimes ton corps plus que la vérité. Obstine à penser que ton corps a besoin de sucre, de vitamines. Que ce que nous mangeons tous, ce que nous dicte la règle, ne lui suffisait pas, lui nuise. Je t'aime, n'aie pas peur, mais moi je vois moi dans ton cœur. On est dans cette orange, ouvre-toi, ouvre-la. Dis ce que voient tes yeux, on met mes yeux dans le cœur de cette fille. Se révéler. Et ceux qui lavent enfin la pourriture et mettre un terme au pourrissement. C'est la mort en effet, car la mort est repoussée dans son linge, mon seul, la mort est pure. Il ne faut pas de vitamine. Elle prolonge inutilement la vie. Ils sont des ferments de pourriture. La peur elle-même qui nous retient de nous libérer.
libérés de la peur. Nous sommes tous dans le bois. Nous portons une orange cachée dans notre poche. Et cette orange a la peau si épaisse. Ce n'est rien d'autre que la peur. Refuserons aux imbéciles le droit de nous juger sans comprendre. Je suis venue pour vous détruire. Tiens donc, rien que ça. Pour
détruire. Je ne te tuerai pas. Je ne veux que ta joie. Tu me fais tant de peine. Ta détresse fut la mienne. Trahie. Cherché longtemps, chaîne que me lasse, nous voici face à face, Marie. Je te laisse vous emmener là.
ce que tu appelles parler. Difficile d'être le seul à savoir.
je dois monter. Thank you.
savez pourtant c'est interdit. On ne peut entrer dans ce lieu qu'on commence à dire l'exhibition. Cela vous a bien été dit. Cela ne vous a pas été dit. Et alors, si. Puisque vous le savez bien, voulez-vous tous nous mettre en péril? Non, non. Qu'avez-vous apporté dans cette île? Est-ce que c'est votre échec que vous avez apporté dans cette île? Est-ce cela que vous n'avez pas de tête et de venu alors que je vous donne à tout, vous n'offrez en simple échange que votre misérable échec? Répondez! Non, non, non! Vous n'êtes rien, vous entendez? Vous n'avez rien à demander? Est-ce que vous me comprenez? D'un côté l'infini et de l'autre rien. Oh!
mission parmi nous. Tu te trompes. Prends ton sens de ton existence. Tu te trompes.
Laisse-moi. Il se passe quelque chose de grave. Laisse-moi. Laisse-moi. N'approchez pas de cet enfant, il est sacré, ne comprenez pas. Tu ne comprends pas. Ce qui doit s'accomplir, s'accomplira. Quelle est la condition? Vous m'avez rejoint dans cette île, suivez votre destin. Tu te trompes, tu devrais l'écouter, ce n'est pas ton enfant. Oh. Thank you.
Nous sommes l'humanité.
Thank you.
beaucoup d'entre vous ne l'ont pas mérité. Beaucoup d'entre vous, dans le fond de leur cœur, sont encore habités par le vice et le mensonge. Moi, qui suis votre guide, votre père et votre frère, regarde tous les hommes, tu es mauvais. Il y a même une femelle qui ne veut pas renoncer à la chair. Et toi, et toi, et toi, et toi. Oui, malgré le vice et le mensonge, je vous offre la chance promise, car l'immensité de l'avenir et l'immensité de la mer, juste tout à l'heure, vous accueilleront dans la joie l'enfant. J'avais vu la paix sur son visage quand il eut enfin accédé à la transparence de la vie véritable. C'est elle, n'est-ce pas?
papy tourné de moi et de la vérité que je porte. Vous tous, ne l'écoutez pas, c'est la vipère, la prostituée, qui refuse de chanter et parle par sa bouche. Pure transparence, par quoi vous avez
je vais te faire un honneur plus grand encore. Car je vais te faire de moi que boire le précieux liquide. Le voici, Goro. Le voici, ton plus fidèle disciple. Nous l'avons surpris de l'autre côté de l'île, en train de mettre à l'eau une barque. Attrapez le maître. Alors, nous
toi, Victor, quel rôle as-tu joué? Moi, j'ai été ton complice. Mon complice. Oui, je vous le dis à tous. Oui, je me suis associé avec lui. En pure cupidité, j'étais d'accord pour qu'il se serve de vous. Mais je n'ai jamais pensé qu'il était vrai à vous prendre à la main. Aujourd'hui, je sais qu'il est fou, tout simplement. Libérez-vous de lui. Ne buvez pas. La folie, je te l'ai déjà dit. Dans un monde pourri, il suffit de dire la vérité pour être à plein niveau. Je leur offre ce qu'ils désirent le plus au monde. Eux et moi, nous pouvons être tous ensemble la vérité. Viens avec moi. Marie, je t'aime. Comme je te plains. Comme je les plains. Maintenant qu'ils boivent, et toi le premier, montre-leur.
allez-y, buvez. Non, arrêtez. Écoutez-moi. Buvez, buvez. Non, attendez. Buvez, buvez. Je vous en supplie. Buvez. Vous ne boirez pas. Vous ne le voulez pas. C'est lui qui le veut pour vous. Es-tu sûr de ce que tu dis? Très bien, il va pouvoir leur parler. Mes amis, mes compagnons, je vous demande d'écouter cette femme.
La vérité.